bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2. Et bien évidemment, nous étions en train de traquer un ours qui était à un ou deux jours de route, hein, bien évidemment, à cheval, il n'y a pas de véhicule. Et on devait se reposer, on avait chassé un petit lapin qu'on avait évidemment dégusté. Quelle ne fut pas ma surprise, j'ai fait une petite bêtise. J'ai quitté sans sauvegarder, voilà, donc j'ai dû refaire toute la mission. Par contre, vous étiez très nombreux à vous moquer de mon poney. Et ça ne m'a pas plu, j'ai pas pu dormir. J'ai pas pu dormir, j'ai dû d'ailleurs faire une pause YouTube. Vous l'avez vu pendant 3-4 jours sur Red Dead, parce que les critiques faisaient mal. Les critiques faisaient mal. Donc, quitte à recommencer la mission, j'ai pris le cheval de mon DLC, de mon édition collector. J'ai pris mon pur sang, évidemment. Et voilà pourquoi vous ne verrez plus le poney. Par contre, je vais sauvegarder parce que tout me retaper, c'est assez compliqué. Allez, on est reparti, ça on l'avait déjà vu, cette petite dégustation de café. Là, les gars, c'est du café d'Arabie, hein. Ah, ça a été importé. Il a fallu quelques années pour que ça arrive sur nos terres, hein, d'accord? Donc, on est parti. J'ai été nourri à la viande d'ours. Excuse-moi, hein. Joël Robuchon. Bon, on va ouvrir le menu d'artisanat. On va prendre... On va faire des appâts à prédateurs puissants, évidemment. Donc, on va les fabriquer. Pour cela, on va les chauffer. De façon à ce que l'ours puisse sentir, renifler. Et pourquoi pas être piégé par un petit guet-apens qu'on l'on fera. Et puis, on ramènera la peau de l'ours. Mais en l'ayant tué. Hein, pour éviter les problèmes. Ok. On est parti, on peut quitter. Hop, on se cassos, les gars. Direction l'ours. Et on aura terminé cette petite mission incroyable. Le jeu est incroyable. Allez. Donc regardez mon pur sang, il est énorme. Ah, ça se moquait de mon poney. Les gars, ça m'a fait mal. Faut savoir que là, mon poney, il est en cure. Il est en cure de dépression. Il en peut plus, les gars. Il en peut plus, vous êtes beaucoup trop moqués. Hein. Comment ça va avec ton cheval? Bah, tout le monde s'est moqué de moi. Et ça fait mal. Je vais où, là? Ah, mais... Je vais où? Attends! On s'entend plus! Merde! J'ai pris le mauvais. Je sais pas ce qui m'a pris. Désolé les gars, j'ai pété les plombs. On va prendre. Voilà, c'est bon, je suis là. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Vous savez, je suis littéralement captivé parce que 1899, allez, parce que c'est moi, on va arrondir à 1900. Les années 1900, c'était il y a quoi? Bah, c'était il y a 118 années. Et c'est pas si vieux que ça, il y a des gens qui ont 100 ans, hein, qui ont passé un siècle et qui sont encore vivants. Donc, c'est incroyable de se dire, cette époque, déjà, ça devait être clairement dingue, hein, c'était le nouveau de l'Amérique. Mais en plus de cela... Me dire qu'il y a 2-3 générations, des gens avaient sûrement... Bon, allez, un peu plus de 2-3 générations, c'est mon petit côté américain qui parle évidemment, mais il y a peut-être 50 ans, les gens avaient connu cette époque et... Putain, c'est un délire. Bref, c'est compliqué de se dire tout ça. Vous venez d'entrer sur le territoire d'un animal légendaire. Suivez les indices. Ok. Ok. En mode œil de lynx, les indices sont indiqués par des traces oranges. Des traces de sperme. On va examiner tout cela. Ça va coûter cher, cette histoire. Approchez-vous de la piste. Ok. On est bon. Attends, c'était quoi le truc? Non, j'ai fait une bêtise. Ok, on suit la piste, d'accord. Normalement, ça devrait être bon. Est-ce que je sors un gros calibre tout de suite? C'est bon, je revois la piste. La piste mène à ces arbres. Je pense pas que l'ours soit encore là. On l'aurait vu, non? Ça me fait peur. Est-ce que je m'équipe là tout de suite?
Je préfère sortir mon Colt. Sait-on jamais, McGallaghan? Toujours anguille sous roche. Dans ce genre de situation. Ok. Très très bien. On va peut-être cavale. Est-ce que ça va la comédie? Ok, on a quelque chose ici. On va suivre les indices. Juste là, regardez. C'est un macabé. C'est des restes humains. Bon, d'un poisson, d'accord? C'est pas grave. Ça y est, des restes quand même, je n'avais pas tort. Vous jugez beaucoup trop, McLesgy. Ok. Ok, direction le prochain indice. On va aller dans la tanière de l'ours, les amis. Il n'est jamais bon d'aller dans la tanière de l'ours. C'est une belle merde qu'on a là. Après l'avoir goûté, je peux vous dire que... on s'en sort jamais indemne. Ok. Ça, c'est la merde. Hein. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up in each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which you think? Jamais séparé, les gars. Vous êtes malades. On va utiliser la pas, frère. C'est un ours. Let's bait here. Fine by me. On n'a pas de talkie-walkie, on n'a pas de téléphone, frère. Putain, on a des choix, c'est incroyable. Ok, placez la pas près des grosses pierres, évidemment. Et ben, on va le faire de ce pas. Tu parles de grosses pierres, tu parles sûrement de cela. Ce gros caillou volumineux incroyable. Ok. On maintient la sacoche. On prend, je suppose, la pas. Et on va l'utiliser. Ok. Allez vers les rochers. J'arrive. Et on attend l'ours, évidemment. 1000 pounds, you say? More or less. Ok. J'ai que ça? J'y vais à la dynamite si ça part en couille quoi, les gars? Big scar down his face. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. Oh putain, on va rester au col. So do you. I'm fine. Ok. Let's just take a look at that bait. Tu stresses trop. Sure. Il va nous tomber dessus, hein, je l'ai entendu, hein. You only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. On vient de le poser, frérot, hein. Tu devrais écouter les conseils. Give me a hand here. Got your knife? Shit. Wow! No, it's too close. Okay, my dragon. Bam, bam, bam! Oh, stop, 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 stop! Tu vas te calmer, petit ours! Revenez seul dans la zone pour le pister. Putain, il est parti, merde! Je croyais qu'on pouvait le choper. You're fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you. I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming or you gonna track that monster? Well. Ok, je vais rester, je vais le traquer, no joke. I'm gonna stick around here for les gars, a while. On commence l'épisode à la chasse, on le finira à la chasse, mon pote. I'll see you back at camp. Yeah. Oh, ça sent pas bon. Hein. Ok, on va rester, on va essayer de le traquer.
Et là, il n'y a pas de TP, les potes. Hein. Ah non, il n'y a pas de TP, mon gars. Hein. Et il n'y a pas d'avion. De nouveaux chevaux sont disponibles à l'achat. Mission terminée. Une blessure d'amour propre. Bon, inventaire du cheval. Est-ce que t'as un fusil, mon frérot, là? Ou c'est la merde totale? T'as quelque chose, là, d'intéressant? Arme rangée. T'as quelque chose ou pas? Je vais devoir me le faire au pistol? Ah, yes. Ah ouais, mon pote. C'est bon. On est bien. Ok. Vous pouvez désormais posséder plusieurs chevaux. Bon, ça me fait très très peur. On va commencer à le traquer calmement. Attends, calme-toi, frérot. Je te dépose ici, derrière le rocher, et on continue notre traque. Non, 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 c'était hors de question qu'on rentre, les gars. Il nous le faut, hein. Lorsque vous placez votre selle sur un cheval, celui-ci devient votre monture. Tu me l'as déjà dit. Ok, allez, on sait où ça mène. Ça mène là-haut. Normalement, il a bien saigné, le frérot. Il doit être dans un sale état. Hop, on va examiner ça. Qu'est-ce que c'est? Il s'est chié dessus, le bordel, là? Ok. Ok, encore. C'est pas grave, hein, on ira jusque sa tanière, mais les gars, c'est hors de question. Attends. Ok, c'est très bizarre. Suivez la piste. Ça mène nulle part, les gars, je comprends pas. Ok. Forcément quelque chose. Ah, je sais pourquoi, je crois. Je crois savoir pourquoi. Ok, bougez pas. Tout simplement parce que... il nous faut ceci. Il me faut ça, clairement. J'ai fait une bêtise. Wow, 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 wow. J'ai peur. Ok. Ah! Aïe! Ok. What? Il m'a chicoté! C'est notre première mort! Oh, le délire! Mais gros, il m'a chicoté direct. J'aurais dû y aller à l'explosif, frère. On y retourne, j'en ai rien à foutre. J'ai pas record 10 putains de minutes d'un épisode pour qu'un ours me crève. Merde. Là, je parle plus, les gars. Je retiens ma respiration parce que je suis à l'écoute du moindre bruit. Là, c'est une chasse entre l'homme et la bête. La nature versus l'humain. L'ours n'est plus. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Fais chier. Faut peut-être réenchaîner, je sais pas. Eh bien, les amis, je suis désolé, mais c'est Bredouille que nous allons rentrer. Je n'ai pas réussi à le retrouver. Je pense clairement qu'après une mort, il faut remettre un appât. Malheureusement, j'ai pas de quoi refaire un appât dans l'instant présent. Alors oui, on peut chasser et tout, mais on risque de perdre pas mal de temps. Sachez que là, j'ai tourné 10 à 15 minutes totalement à vide. C'est comme ça, ça fait partie de la chasse. Mais je préfère ne pas vous les montrer, histoire que on perde pas trop de temps de vidéo et que ça vous saoule trop vite. Si néanmoins, vous voulez voir des épisodes entiers consacrés à la chasse, je peux le faire à la Fallout et appeler des épisodes HS un petit peu, où on va capturer un ours légendaire ou autre. Et plus si affinité, si je peux me permettre. Mais là, je pense même pas être assez équipé, assez bien équipé en tout cas, et avoir une connaissance du jeu assez approfondie pour choper ce... Oh! Damn! Cet ours légendaire, toujours faire attention sur la route. Non, mon cheval. Oh, hop, on va le fouiller. Hein. L'énergie de votre cheval se restaura plus lentement. Ok. Oh, on s'en va. Vous avez récupéré un objet de valeur. Je suis désolé. J'étais tellement occupé à vous parler que j'en ai oublié de regarder la route. Toujours regarder la route quand on conduit. C'est terrible, c'est terrible. Bref, on est parti, on va faire une nouvelle mission. C'est totalement dingue. Vous avez vu ce que j'ai fait?
Je viens d'avoir un accident. Mon premier accident, c'était le moto. Oh merde. J'avais vraiment pas vu, hein. Vraiment pas vu, hein. Mon cheval va pas bien du tout. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va lui donner de quoi retrouver un petit peu d'énergie, parce que là, le frérot, il est pas bien du tout. Voilà, prends une petite carotte sauvage, mon frérot. Ok. Ensuite... on va lui redonner encore un peu, gros. Parce que là, son noyau, il est vraiment pas bien. Tiens, mange. Voilà, fais-toi plaisir, mon frérot. Heureusement que c'est un pur sang, hein. Par contre, attention, hein, j'ai mis un RKO, mec. C'est terrible ce qui s'est passé. Mais je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Je suis totalement passé par-dessus lui. C'est incroyable. Une scène d'action, hein. Entre, comme si une voiture passait par-dessus une autre voiture. Non, mais c'est totalement dingue. Ah, c'est débile, hein, ce qui s'est passé, hein, mais c'est terrible. Votre cheval est sale. Ok, très bien. Bon, on ira le laver, c'est pas grave. Brossez-le ou amenez-le, amenez-le dans l'eau pour le nettoyer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Doucement, doucement, doucement. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vu? Ok, j'ai vu ce que tu as vu. Je crois qu'il est mort. Je sais pas ce que c'est que cette merde, mais je comprends que t'es flippé. C'est un serpent, c'est quoi? Ok, bouge pas. J'ai mis sa part à ce petit bâtard. Tu vas pas effrayer mon pur sang, que j'ai appelé d'ailleurs au passage Tornade, si jamais. Bon, avec 3 balles, il reste plus grand chose du bordel. Ok. Bon, j'ai... Oh non, c'était un petit écureuil. J'adore les écureuils. Oh, c'est terrible. Bah, il a fait peur à mon cheval, c'est comme ça. Je peux l'écraser? Totalement. Il est mort. Et lui? Hop, ça dégage, hein. Et lui? Putain, il y a un feu. C'est mon camp? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas mon camp. Je ne crois pas que ce soit mon camp. Ok, je peux prendre peut-être un raccourci. C'est tellement loin. On va prendre un raccourci. Allez, on se TP directement au camp pour éviter de vous saouler avec tout ce trajet. Allez, nous voici donc arrivés au camp. Niveau réserve, c'est un petit peu la merde. On va essayer de le régaler, ce camp. Bouge pas. Stop! Voilà, on va pouvoir attacher le cheval. J'ai ramené de la peau. On va voir un petit peu ce qu'il va en faire. Il est temps, cette fois-ci, de se consacrer un petit peu à la vie du camp, voir un petit peu là où ça va mener toute cette histoire. J'ai appelé mon cheval Tornade, je vous l'avais dit tout à l'heure. On va déjà l'apaiser. Voilà, on va l'étudier. C'est quand même un pur sens, pas n'importe quoi. Et puis, on va pourquoi pas le brosser, déjà, pour commencer. Voilà. Bouge pas. Voilà, tout doux. C'est bien, c'est bien. Voilà, c'est très vite brossé, hein. Mais on n'en parle plus. Ensuite, comment j'enlève la peau? Parce que c'était un loup, là, qu'on a. Inventaire du cheval. Bougez pas. C'est bon, je l'ai. Peau de loup en mauvais état et très abîmée. Peut-être vendue. Je ne veux pas le vendre. Je veux encore moins le jeter, en fait. Enfin, je comprends pas, là. C'est très bizarre encore. Ok, très bien. J'ai peut-être pas tout compris. Guider, caresser, nourrir, enlever la selle. Très bien. Comment enlever la peau? On va alimenter le camp, on va mettre quelques dollars dans la cagnotte, c'est toujours cool. Il nous faut vite de la nourriture, Arthur. Je sais, frérot, mais... Je vais t'en mettre de la thune, pardon, excuse-moi du peu. Contribuer. Je vais mettre quoi? Je vais mettre un bon 10 dollars? Je sais pas si je peux choisir. Donner de l'argent. Allez, un petit 10$, ça fait plaisir. Voilà, faire un don de 10$. 15$. 15$, c'est la moitié. C'est pas mal. Niveau thune, ça monte un petit peu. Ensuite, on a quoi? On a un camp par ici, très bien. Changer de vêtements, non, ça va. J'ai pas envie de me raser, moi. Plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit dans le milieu. Bah, on va pouvoir enchaîner peut-être une nouvelle mission. Je sais pas ce que vous en pensez. On a qui? On a qui à côté, les gars? Hop. Oh! J'ai envie d'aller voir U. Voilà, pour voir ce qu'il va nous dire un petit peu. Ça peut être une mission, je pense, très intéressante. Et on va voir ce qu'il peut nous laisser entrevoir. Ah, mais c'est l'oncle! C'est Uncle! Ok, go. On va réveiller l'oncle. Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Eventually.
So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Hey, you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. You gonna take the old man into town? You can take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women want you to take them a robin. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on in. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. You ladies are going to love it. Sure, you'll see. Real civilized. Let's go. Allez, on est parti. You know the way? Yeah, me and the boys got into a bit of a fight at the saloon there. Already? Ooh, so all that talk about how hard you've been working. You mean drinking. Ok, on peut pas aller plus vite. Ah si, quand même. Et ben voilà, ça va nous emmener directement en ville à Valentine. On va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, si on doit résumer la vidéo jusqu'ici, j'ai record 25 minutes pour rien que vous ne verrez sûrement jamais. Voilà, parce que j'ai essayé de retourner à l'endroit où il y avait l'ours, mais c'était compliqué. C'est pas grave, j'ai eu tout le chemin du retour. Mais bon, on a quand même une belle chanson, donc on va l'écouter avec plaisir et on va emmener ces jeunes demoiselles, enfin jeunes, vous m'avez compris, en ville et on va voir un petit peu ce qui va s'y passer. Wow! C'est quoi ce délire? Ok, attention. Je pense que ça fait partie de la mission. Il n'y a pas de hasard. Is one of you gonna get that fella's horse? Oh, I got lumbago. It's very serious. Allez, on l'aide. Alright, I'll see what's going on. On va voir ce qu'on peut faire, évidemment. Bah alors, t'as perdu tes chevaux, mon frérot? Go on. He's an old man. J'y vais. Attends, bouge pas. On peut rien faire pour l'instant. Come on. One of you. Ok. Moi, j'étais pas obligé de l'aider, mais je pense que ça peut être intéressant. Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Sure, no problem. Thanks. Calme le cheval échappé. It's the white one over there. Frérot, tu dis c'est le blanc là-bas, mais je le vois pas moi d'ici, hein, mon pote. Hein. Déjà, on va retirer le repère parce que ça me stresse énormément. Très bien. Et il a dit c'est le blanc là-bas. Ok, je le vois. Alors, comment je vais faire? Est-ce que tu crois que... Vous devez calmer les chevaux agités pour pouvoir les approcher. Rapprochez-vous et centrez la vue sur le cheval. Et appuyez sur... Ok. Ok. Voilà. Doucement. Voilà, regarde, je suis ton pote, voilà. Ok, c'est bien. Oh, vas-y, chie, hein, frérot, on fera le tri, hein. Et ben voilà. Impeccable. Bon, on va lui ramener. Voilà, hein. Fait caca, c'est ça qu'on aime, évidemment. C'est dégueulasse. Et on va continuer notre mission. Il s'en sera pas... Quoi? Putain, et là, il y a un train, mec. Ce serait dément. Ce serait juste démentiel. On va lui ramener. Il sera heureux, c'est normal.
d'avoir retrouvé ses chevaux. Mais il faisait le matin, il faisait le malin, il conduisait comme un fou furieux, c'est normal. Ah, j'ai eu un petit plus avec un chapeau, les gens même. Vos actions influent sur votre niveau d'honneur et affectent la façon dont les gens que vous croisez interagissent avec vous. Les actions positives vous rendent respectable. Et respectez-moi ici, ok? Et ben voilà, c'est plutôt cool cette petite histoire. On a aidé quelqu'un, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai fait ma bonne action du jour, ma bonne action de l'épisode, on l'appellera ainsi. A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real one? And you haven't, your pulse of old lizard. Well, lizards have hearts. Well, Arthur, I'm proud of you. To be honest, if you lot hadn't been here, I probably would have robbed him. Well, you did. Attention, 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 attention! Ah, mon Dieu! Mais qu'il est con! Mais il est débile! Driving this wagon like you're drunk! Quoi? Ok, reprendre au point de passage. Mais les gars! Mais c'est lui qui regarde pas à gauche, putain! Ma priorité, frérot! Oh là là, mais c'est terrible! Bon, en même temps, priorité à droite, il venait de la droite, donc c'était à lui normalement. Bah après, voilà, on va dire que le code de la route n'était pas le même à l'époque. S'il vous plaît, d'accord? Mettez-y un petit peu du vôtre. Ah, putain, premier échec de mission, c'est terrible! Oh non! Non! Putain, vous êtes chiant. Ok, c'est pas grave. Allez, on est reparti. Bah, je vais switcher hein, jusque là-haut, les gars. Évidemment. Allez, on est reparti. J'ai refait ma bonne action de l'épisode incroyable. Deux bonnes actions en une, et c'est surtout la même action. J'espère qu'il n'y aura pas, comme par hasard, le même cheval au même endroit, sinon ça serait assez terrible. On va se remettre, voilà, sur la bonne voie. Calmez-vous. C'était pas ici, hein. Ah, mais il est encore là, putain, ce con. Ok. C'était lui, hein. C'était lui, m'a mis dans une merde pas possible. Oh là là, incroyable. Stop, calmez-vous. Parce que j'ai assez d'accidents comme ça. On va, s'il vous plaît, me respecter un minimum. Il faudrait que j'aille vraiment chasser un épisode entier consacré à la chasse pour le camp. Ça serait plutôt pas trop mal, je pense. La ville est pas si petite que ça, là. You think we should have asked Molly to come with us? Oh no, Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us, or to do any real work. She's a society lady now. Okay, take a good look around, ladies. See what we got here. Chair's always on the right. Sure, you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the line. Yeah, that's a young man's game. Ooh, yes! We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stables. What the hell's your problem? C'est quoi son problème à lui, là? Qu'est-ce que tu veux, frère? Ok. Alors, on va faire un créneau avec ça. Hein. Ok. C'est terrible. C'est bon? Stop. Et ben voilà! D'accord! Putain! Cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. I imagine Paris and Valentine are so here. That's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Then you.
Shut up. This is the place now. Come on. Ok. Bon bah il va nous faire faire la tour de la boutique, c'est plutôt pas trop mal en soi. Dans une boutique, approchez-vous d'un objet dans un rayon et maintenez carré. Something to pass the time while we're waiting on the women. Yeah. D'accord. Reckon I should probably steer clear of the saloon this time. You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up some coffee while we're here? Plenty out on the shelves, but I got Acheter du café. Whisky's on the top shelf, nearest the door. Whisky est sur l'étagère en haut. Très bien. Bon, on va commencer par le café. T'as quoi en café, mon frérot? T'as du déca ou pas? Non, ça c'est du saumon. Ça c'est du biscuit. Ça c'est des petites baguettes de famille. Merde, c'est encore à gauche. Café moulu. Hop. Ça c'est pour la famille, on prend. Bon, on en prend un autre. Allez, peut-être qu'on pourra le donner au camp, j'en ai aucune idée. Retrouvez-vous dehors. Très très bien, on y va les gars, on peut sortir calmement. Tout le monde avait un flingue, putain. Regardez, regardez aux ceintures. Bienvenue en Amérique. Here's to your good health, my sir. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Ah! Voilà, on va se la donner, mon pote! I thought I wouldn't find you, Tilly. You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me! Get your hands off her, friend. Lâche-la tout de suite, l'ami. Get off her. Il va pas vouloir lâcher, celui-là. Fais pas le fou, Bill. What exactly? You wanna find out? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you. Go wait with Uncle and Mary Beth. They're across. Okay. Okay. Bon. Thanks, Arthur. Ouais, bah comme d'hab, hein. Uncle, look after her. I'm gonna go see about Karen in the hotel. Ok, on va à l'hôtel. Ça sent pas bon. Fouiller l'hôtel pour trouver Karen. Can I help you, sir? Ouais, je cherche Karen, frère. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Chambre 2B. Are you a friend of his? A friend of hers. Ok. La chambre 2B. Or not 2B, this is a question. No trouble now, please. Pas de grabuge, t'inquiète. T'inquiète pas, mon grand. Bon. On est parti. Hop, yo les gars. A friend of hers. Get out of here, buddy, I paid. Ain't paid a hitter, you goddamn animal. Come here. Ok. Wow. Arrête, wesh. T'es fou, quoi? Oh, la patate, frère. Il m'a quand même bien collé au début, hein. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing. Nothing to worry about. Just men. But stupid bastard. Stupid bastard was boasting about the bank. Bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. After you. Bon.
Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right, now. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy, come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful. Aïe, 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 course poursuite. Clairement, course poursuite. Il peut balancer les choses et ça peut être très compliqué. Poursuivez l'homme. Ok. C'est parti. Merde, j'ai pas vu. Putain, j'ai pas vu. J'étais en train de lire ce qu'il me disait. Mais putain, je suis débile. Oh bah, on est mort. Cassez-vous. Oh non, on est mort. Bah non, mais on est mort, on est mort, on est mort. C'est fini, c'est fini. Quoi? Bah oui, il s'est échappé. Merde. Recommencer la mission. Je sais pas s'il faut faire croix ou carré, je comprends rien. Recommencer ou aller au point de passage? La logique, ça serait le point de passage, mais j'ai l'impression que ça t'emmène au tout début. Là, si tu me dis qu'il faut recommencer mais l'intégralité de la mission, je me tire une balle, les gars. Non, no joke, vraiment, hein, c'est que c'est très mal foutu. J'espère pas, mais là, le temps de chargement est bien long. Non, mais sérieux. La blague! Arrêtez! C'est un putain de délire. Putain, respectez-moi, quoi. Bon, allez, on re-switch une dernière fois jusqu'au moment où on poursuivait cet homme. Allez, on est reparti dans cette course poursuite incroyable. Ah, oh, c'est terrible, hein, j'ai dû tout me retaper. C'est terrible, heureusement qu'on peut passer même les plus petites cinématiques. Il va super vite, lui, calme-toi, frérot. Wow. C'est quoi ce délire? Il va où comme ça, là? Oh, il a une maîtrise du cheval incroyable, hein. Tu m'étonnes que je l'ai perdu très rapidement. Je pensais pas à mal. Bah, arrête-toi, alors, on va discuter vite fait. Lui veut aller balancer des choses, ce petit bâtard. Est-ce que je peux lui mettre sa part ou quoi? Ah. Occupez-vous de l'homme de Blackwater. Allez. Ok. Mais, allez, je suis bloqué. Tuer ou questionner? On va le questionner calmement. Why are you telling lies about me? No, no. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, yes, me too. Now please pull me up, please. Je peux le tuer, please. Mais ça va influencer right. Sur mon niveau d'honneur et ça serait dommage. Donc je vais l'aider. J'espère juste qu'il arrêtera de raconter des conneries. Mais je vous avoue que ça me démangeait, j'avais bien envie de le tuer. Parce que j'ai dû recommencer la mission. Vous avez gagné de l'honneur. En continuant à accomplir des actions positives, vous deviendrez encore plus respectable. On va essayer de faire tout le jeu en étant respectable. No, you ain't dead. Where is that? Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and I, here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I kill people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not never. I think we have an understanding. Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. I haven't. not one lick. Allez, file. Not one file. Sense. Je veux plus te voir. Your old mind. Allez les amis, on va s'arrêter là. Mission complete. La bonne société façon Valentine. Bon,
J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure incroyable. Cette vidéo m'aura demandé énormément de temps. Je vous fais des bisous. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.